Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du coffret DVD collection hommage Jean-Claude Labrecque qui est un coffret distribué par Imavision et disponible en magasin dès le 19 juin 2012. Donc alternant documentaire et films de fiction, mais ce coffret DVD contient 15 films d'une grande diversité sélectionnés afin de refléter l'étendue colossale de la carrière du cinéaste. Donc, une de ses œuvres est le documentaire qui capte le voyage du général de Gaulle et son fameux Vive le Québec libre. Et grâce à sa vision et son intuition, mais il est un des deux seuls réalisateurs à avoir saisi ces moments intenses. Donc, les titres qui sont disponibles dans ce coffret collection, mais on retrouve 60 cycles, qui est un film de 1965, La visite du général de Gaulle au Québec en 1967. On a l'hiver en froid mineur de 1969, les canaux de glace de 1969 et la nuit de la poésie 27 mars 1970, réalisé également en 1970. Tous ces premiers titres sont disponibles sur le premier DVD. Sur le second disque, on a Images de la Gaspésie de 1972, Les Smats de 1972 et Claude Gauvreau, Poète de 1974. Ces trois titres sont sur le deuxième disque. Pour le troisième disque, on retrouve Les Vautours de 1975 et Pierre à Coton de 1978. Le quatrième disque, lui, comporte les films La Nuit de la Poésie, 28 mars 1980, et Marie Huguet de 1982. Le cinquième disque, lui, comprend les films Le Aérien de 2002 et À hauteur d'homme de 2003. Et sur le sixième et dernier disque, on retrouve Félix de 2009. Donc, si vous êtes amateur de produits québécois, produits par un grand cinéaste, mais alors vous allez peut-être être intéressé par ce coffret collection. Donc, une critique plus complète va également être bientôt disponible. C'était Sébastien. Merci et bon visionnement.